Eh bien, salut à tous et bienvenue, je suis Linklagis pour vous servir, et j'espère que vous allez bien, mieux que moi dans cette prison, puisqu'on se retrouve donc sur la suite des Volants 2. Je rappelle qu'on s'est fait emprisonner et défoncer par les soldats l'autre fois, dans l'épisode précédent. Et du coup, bah, cette fois-ci, on va tenter de s'enfuir, puisque le garde qui nous a porté de l'eau a oublié de fermer la porte. Donc, on n'a pas d'armes, hein, donc il va falloir faire gaffe. Je suis caché. C'est moi, je suis caché. Il y avait le même mec en haut, mais en blond. Par là, j'imagine. Hop, hop, hop. Ah, je suis dans l'ombre, là, il me voit pas. Ok, nickel. Sympa. On va attendre qu'il soit ici, le dos tourné. Maintenant. Go, go, go. Ah, on save. Wow, wow, wow. Pas par là. Hop, on va se planquer dans l'ombre ici. Non, là, ils me verront. Du coup, il va jusqu'où, lui? Ok, on passe. Là, c'est bon. Hop, 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 hop. Voilà, 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 voilà. Vite, 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 vite. Ah! Ah! C'est bon! Ça passe. Oh, 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 oh. On save. Non mais, Kuro, qu'est-ce que tu fais au juste? T'inquiète, je m'appelle Solid Snake. Ne me dis pas que tu crois vraiment que tu vas pouvoir passer devant les gardes en te cachant dans ce carton. Je me demande parfois où tu vas chercher des idées pareilles. Viens avec moi dans ce carton. Enfin bon, si ça t'amuse, essaie si tu y tiens. En tout cas, je t'aurais prévenu. Viens avec moi dans ce carton, tu vas voir. Snake peut le faire, pourquoi pas... Pourquoi pas nous? Chut. Bouge pas, Fina. Ah mais... Merde. Moi je dis ça marche. Moi je dis ça va marcher. Est-ce que ça sert que j'aille ici? Merde. Ça passe. Hop là, on passe. Là, on s'arrête. Là, on passe. Là, on s'arrête. Hop, 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 hop là, hop là, hop là. C'est quoi ça? C'est rien. Je peux rien en faire en tout cas. Non, je peux rien en faire. Ok, à droite. De l'or! Des montagnes d'or! Encore plus de montagnes d'or! Ça passe? Ouais, ça passe. Ok. On save. Et toi, t'es qui, toi? Alors, on se balade? Les portes sont parfois ouvertes, mais ça ne veut rien dire. Sans le mot de passe, impossible de s'évader. J'avais trouvé une super astuce en me tatouant la carte complète de la prison dans le dos. Mais je n'ai jamais réussi à trouver un miroir pour pouvoir la lire. Ah, c'est bien dommage. Pour toi. Il m'a pas vu, c'est bon. Chut. Arrête les chatouilles, Fina. Arrête. Non mais, tu vois. Bon, d'accord. Je veux bien l'admettre, t'avais raison. Cette histoire de carton, c'était une bonne idée. Mais aussi, comment voulais-tu que je devine que ces soldats sont si scriptés? Non, c'est pas le mot auquel je pense. Aussi incapable de voir un carton qui se déplace devant eux. Enfin bref, bien joué. J'espère que l'étage suivant sera aussi simple. Voilà. Merci Solid Snake. Et on a le succès de Hair Pool. Ok, par en haut. Ouais, par là. Hé hey, tu dormais?
Chut. Qu'est-ce que c'était au fait que cette chanson... ah oui, le chevalier Robert s'en va au nord. Déjà, n'a jamais tort. J'ai oublié la suite. Le chevalier Robert s'en va au nord, le chevalier machin n'a jamais tort. Je sais pas, ça peut peut-être servir. Hein. Ouh, ça passe. On va aller voir l'autre prisonnier. Les magies utilisaient un système de numérotation très ancien. La lettre C valait 100. Ah non, pas des trucs avec des lettres, s'il vous plaît. Ah, lui il s'évade. Pouf! Encore 1 km. Si je connaissais le mot de passe complet, je n'aurais pas besoin de creuser comme ça. Mais pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'il contient le mot brocoli. D'accord, donc, le mot de passe a le mot brocoli. Pourquoi pas, hein? Allez, toi, va-t'en. Hop là. Hop, on va passer là, tant qu'à y être. On est large. Hop là. Hop, 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 hop. Il m'a vu, mais pas trop, vous voyez. Kuro, ça sent bien meilleur ici. Et c'est un peu plus propre. Je suis certaine qu'on approche de la sortie. Au fait, c'est quoi cette histoire de mot de passe? Peut-être que d'autres prisonniers ont des informations. Je m'en fous, je vais save. Alors, tout le monde connaît la dernière partie du mot de passe. Bah, brocoli. Tous ceux qui tentent de passer ces portes doivent donner le bon mot de passe. Quel légume adorent mes enfants? Brocoli. Dans la chanson Le Chevalier Robert. Et le plus fort? Ah bah oui. Si je comptais jusqu'à... je dirais 104. Quel sort choisis-tu? Ah, et celui-là je le connais pas. L'amour. Mot de passe non valide. Merde, un prisonnier tente de s'évader. Nope. Du coup, il me manque un morceau du mot de passe. Du coup, ça veut dire qu'il me manque que j'ai raté un prisonnier. Ou alors... Attendez. Ça fait quoi, ça? Ah, c'était... Tout le monde connaît le dernier mot de passe. Alors, attendez, légumes. Brocoli. Il est le plus fort. 104. Quel sort choisis-tu? Tout le monde connaît la mort. Tout le monde connaît la fin. Le 7ème. La mort, je dirais. Ouais, valide. Vous pouvez passer. Ah bah, il est sympa le garde. La petite. Oula. Je sais pas où je dois aller. Tu m'as pas vu, c'est faux. Tu mens. On a vraiment besoin d'aller là? Non. Je vais essayer d'aller voir vers le haut. Peut-être qu'on aura plus de chance. Ou pas. C'est pas par là. Qu'est-ce qu'il y a par ici? En bas, il y a des gardes, ok. Là, il y a des gardes partout, on pourra pas passer. Non, bah, je pense que c'est bien par là. Hein. Hop, on va juste éviter les gardes. Tac. Allez, passe à gauche. Voilà. Ah d'accord, je vais pouvoir sortir là. J'avais pas fait gaffe. Et hop là. On traverse. Traverse. Ok, j'aurais peut-être pas dû. Ouais, j'aurais peut-être dû attendre. Quoique, il va jusqu'où, lui? Ah bah nickel. Non! Mais...
Ah, saleté. Ouais, si je reste comme ça, je vais attendre qu'il parte jusqu'à sur la droite. Allez, vas-y. Et là, on peut passer. J'étais trop pressé. Et hop là. Bon. Est-ce qu'on a bientôt la sortie? Ouais, une vieille épée, pourvu qu'elle ne casse pas au premier coup. On a récupéré... Meurs. Oh oh. Ça pue. Ah non. Ouf. On est sorti de la prison. Ouais, cela dit, on est un peu dans une arène là. Mais où est-ce qu'on a encore atterri? Et voilà notre nos premiers challengers. Allez, ne soyez pas timide, avancez, je vous en prie. Bienvenue au Grand Colisée. Ici s'affrontent chaque jour les meilleurs guerriers et des bêtes féroces. Un peu de silence pendant que je présente les candidats, merci. Je disais donc, aujourd'hui, à ma gauche, de très jeunes mais très puissants guerriers, remplis de la fougue de la jeunesse et dotés d'un incroyable potentiel. J'ai nommé... c'est quoi votre nom déjà? Ne lui donne pas ton vrai nom, ça pourrait t'attirer des ennuis. Bah ça dit, on connaît pas, on connaît pas mon nom. Votre nom alors? Super Morio, Mega Clink, Solid Snail, Wonderman et Dexterminator. Je m'appelle Mega Clink. Vraiment? J'ai nommé l'incroyable, le fabuleux, l'extraordinaire Mega Clink. Alors dites-moi tout, Mega Clink, êtes-vous en forme aujourd'hui? Oh que oui, formidable! Mega Clink prévoit une victoire écrasante. Il va faire de la pâtée pour glouton de son adversaire. Ah, on me fait justement signe que le premier adversaire de Mega Clink arrive à l'instant. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements l'immense, le magnifique, l'extraordinaire Manimal. Manimal est le plus grand, le plus valeureux, le plus poilu des dresseurs d'ours de tout l'Empire. Ces ours sauvages ont été dressés de façon à attaquer toute cible désignée par Manimal. Alors Manimal, dites-moi tout, quel est votre secret? J'utilise un mot-clé spécial pour ordonner à mes ours d'attaquer. Un mot-clé, dites-vous? C'est formidable! Et quel mot-clé s'agit-il au juste? Eh bien, je regarde mes ours droit dans les yeux et je leur dis « Chop !» Et ils attaquent. Chop! Il semblerait que Manimal ait eu un petit accident. Mademoiselle, tout porte à croire que vous soyez intervenue dans le combat avant que celui-ci n'ait commencé. En vertu de l'article 13B alinéa G, je vous déclare donc disqualifié. Mega Clink devra combattre seul les ours de Manimal. Car oui, mesdames et messieurs, le combat continue. Mademoiselle, merci de bien vouloir retourner dans votre loge pour attendre la fin du combat. Il semblerait que tu doives t'en sortir sans moi pour une fois. Mega Clink. Alors, nous fait des petits smileys et tout. Ne prends pas trop de risques, ces ours ont l'air plutôt coriaces. Ah, tu m'as bien foutu dans la merde, là.
Et c'est sans plus attendre que je déclare le combat. Commencez ! Ya, mourez ! Aïe. Cela dit, ils ont pas d'e-shop, donc techniquement, ils vont pas m'attaquer. Ils devraient pas. Ouais, meurs, 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 aïe. Meurs, 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 aïe. Ouh, j'ai failli le rater celui-là. Hop là, on se régène un petit coup. Hop là, et c'est la victoire. Et c'est une victoire écrasante de Mega Link. Mais sans plus attendre, passons au deuxième combat de la journée. Venu du fin fond des forêts de Malicor, maître des arts martiaux orientaux, petit certes, mais décidément costaud, les géniaux, les agiles, les extraordinaires, et Kurai Ninja. Ah, il semblerait bien que... Oh. Ils ont les bandeaux des tortues ninja. Formidable. Et Kurai Ninja. Et sans plus attendre, que le combat commence. Fight. Aïe, 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 aïe. Wow, 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 wow. Meurs. Ah, Raffaello, Michelangelo, Donatello et Leonardo. Voilà. Ça y est. Eh, je me fais éclater. Je me fais tellement rouler dessus, là. Saleté. Aïe. Allez, meurs. Aïe. Allez, et de 1. Autour de Michelangelo. Voilà! À ton tour! Raté! Et au tour de Raphaël! Aïe! Ouh! C'était chaud! Et c'est une victoire éclatante de Mega Clink! Mega Clink, entre nous, d'où tirez-vous votre force phénoménale? De moi! Vraiment? Formidable! Mais cela ne suffira certainement pas à impressionner votre prochain adversaire. Avant de vous le présenter, je voulais vous annoncer une grande nouvelle. L'empereur en personne a tenu à assister au prochain combat. Oh, mesdames et messieurs, merci de bien vouloir applaudir! Sa Majesté l'Empereur Lothaire. Qu'on a vu dans la cinéma, dans la pseudo-cinématique dans l'épisode précédent. Alors, colonel, voilà donc le jeune homme dont vous m'avez parlé. Oui, votre excellence, c'est bien lui. Il s'appelle Mega Clink, si j'ai bien compris. Et c'est bien grâce à lui que la fille a réussi à s'échapper. Je vois. Je vous avais pourtant bien dit de ne lui faire aucun mal. Le professeur Giraud a besoin d'elle. Professeur Giraud, ça me fait étrangement penser au docteur Gero de Dragon Ball Z. Nous avons essayé de la capturer sans la blesser, votre grandeur. Mais ses pouvoirs, quoique affaiblis... Quoique affaiblis ? Ça me fait bizarre. Reste suffisant pour repousser mes hommes. Retrouvez-la au plus vite. Je compte sur vous, colonel. À vos ordres, votre majesté. Et de votre côté, grand Magus, comment progresse le front? Nous avons pris le pont de Mayenne, votre Altesse. Le roi des démons se cache quelque part au nord et tente de rassembler ses armées. Nous avons un plan pour trouver son camp et nous pourrons ensuite attaquer Démonia. Mais si vous nous autorisez à utiliser tous les moyens à notre disposition, cela serait vite réglé. J'imagine que vous voulez parler de la nouvelle arme que le professeur Giraud a mise au point. Oui, votre majesté.
Si vous vouliez bien autoriser son utilisation, je suis certain que la guerre serait déjà gagnée, et les démons vaincus. J'y réfléchirai, grand Magus. Cette guerre est déjà une bien vilaine affaire, essayons d'y mettre un fin vite et proprement. Si j'en crois les rapports du colonel, des moyens plus conventionnels devraient être suffisants. Il en sera fait selon votre volonté, votre majesté. Je vais faire prévenir le docteur, le professeur Giraud. Son arme restera dans son laboratoire pour l'instant. Si la situation venait à se dégrader, je me repencherai sur la question. Je comprends, votre majesté. Si vous voulez bien m'excuser... Il me cache quelque chose, mais quoi? J'avoue qu'il a pas l'air net, le magicien. Voyons voir ce que donne ce combat. Il paraît qu'un démon particulièrement puissant a été capturé par les sorciers du Grand Magus. Non sans avoir tué plusieurs d'entre eux, ce qui est un exploit en soi. Et sans plus attendre, voici le prochain combattant. Tout droit venu des steppes du Nord, sa force est bien supérieure à tout être humain. Sa férocité est celle d'une bête enragée. Mesdames et messieurs... Ménos. Alors si on lui donne un nom, ça veut dire qu'il va venir avec nous. Ménos, le démon féroce. Merci pour la rime. Ménos, un petit mot avant ce combat, que l'on espère tous incroyablement sanglant. Je ne peux pas mourir ici. Formidable! Et c'est sur ces magnifiques paroles que le combat commence! Fight! Aïe! Waouh, 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 aïe! Il attaque en zone en plus! Raté! Maha! Je suis Kuro, je suis Mega Clink! Tu ne peux rien contre moi! Aïe! Aïe! J'y fonce dedans, il me touche pas et j'y fonce dedans. Naha! Meurs, Ménos! Tu es fort. Tu as gagné mon respect. Mais je ne peux pas mourir ici. Que dirais-tu de t'enfuir avec moi? Je connais un passage qui permet de sortir du Colisée. Mais seul, je ne pourrai pas quitter la ville. Alors, qu'en dis-tu? Ouais, carrément. Pas de temps à perdre, allons-y. Faudra peut-être d'abord qu'on aille chercher Fina, non? Fina? Non, t'es pas là? Vous allez vraiment me laisser ici? Tout seul? Oui. Ok, je peux pas aller là. Donc on va ici. Où allez-vous? Hé! Hey, attendez-moi! Ouais, voilà. Du coup, le présentateur qui est blasé, hein. Bon. Du coup... Ah oui, c'est vrai que on a accès à un menu... Donc pour l'instant on est toujours tout seul. Ah il est là. Nous y sommes. Nous devrions pouvoir accéder au sous-sol. Hors de mon chemin, Mega Clink. Oui alors en fait je m'appelle Kuro. A tout de suite. Fina? Non pas Fina. Bon. What? Vous avez obtenu la gravité plutôt dangereuse. Dure sera la chute. Aïe! Ça va? Rien de cassé, j'espère. Nous sommes sous la ville de Genova, la capitale de l'Empire. Nous devrions pouvoir nous évader à partir d'ici, mais... Aïe! Oh! Désolé! Je me suis excusé, hein. Bon, ça va. Bon, eh bien, si tu le prends comme ça, débrouille-toi tout seul. Mais non! Ah! Alors, tu as besoin de moi, finalement? Oui, ah... C'est bien ce que je pensais. C'est bon, arrête de bouder, c'est bon. Voyons voir... Ce mur est plutôt... Et si on essayait...
ça. Oh, quelle est cette magie? Allez-y, c'est plutôt simple en fait. Effectivement, ce n'était pas si compliqué. Maintenant, à toi, Kuro. Moi, allier. Tu m'excuses pour tout à l'heure? C'est juste que j'avais peur que vous me laissiez seul. Mais non, t'inquiète pas. Tu sais, Kuro, je pense qu'on est perdu dans une époque qui n'est pas la nôtre. Tu déconnes. Je commence vraiment à avoir drôlement peur. Tu crois qu'on réussira à rentrer chez nous un jour? Mais bien sûr qu'on va rentrer chez nous. J'aimerais en être aussi sûr que toi. Pour l'instant, on n'a pas le choix, il faut continuer. Merci, grâce à vous, je vais pouvoir revoir mon fils. Ces rochers qui bloquent le passage sont solides. Mais en unissant nos forces, nous devrions pouvoir les briser. Concentre-toi pour faire appel à moi. Ah, maintenant ça rejoint l'équipe. Et on a le succès, another friend. Changer d'allié avec les gâchettes. Ok. Du lien. Ok. Et on save. Et du coup, bah, je vous propose qu'on se quitte là pour ce soir, non, pour cet épisode. Imaginez, voyez ça quand vous le voulez. Vas-y, meurs, Laura. Ah, je peux. D'accord, je peux envoyer des trucs d'énergie, voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était épisode Colisée et infiltration, tout ça, c'était vraiment sympa. Et pour le coup, bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et nous, bah, on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures. Mais d'ici là, vous le savez, portez-vous bien et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.